Souvent c'est dur de compter pour moi. Souvent c'est dur de compter ta voix. Seigneur, parle à ma vie. Le pape de Dieu m'a parlé.
les pleurer. Et fortifié dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous rassures qu'au-delà de toutes choses, tu es présent. Merci Seigneur que tu nous rassures qu'au-delà de notre souffrance, tu nous rassures que tu es avec nous. Seigneur, merci parce que tu nous rassures que demain existe. Nous voulons voir demain au travers aujourd'hui pour l'éternel. Nous ne voulons pas être des sujets, Seigneur, de moquerie. Nous voulons, Seigneur, que chaque jour, nous apprenons de toi. Nous voulons nous approcher de toi. Père, sans toi, nous ne sommes rien. Tu es l'étendard, Seigneur, qui fait jaillir la lumière dans nos vies. Tu es celui, Seigneur, qui nous rassure que tout peut se faire en un seul mot par toi, Père éternel. Seigneur, tu es celui, Père éternel, qui peut diviser, Seigneur, qui peut diviser les problèmes et les soucis afin que nous puissions rentrer, Père éternel. Tu as fait couler, Père éternel, le lait et le miel, Seigneur, depuis le désert. Je crois que quelqu'un peut aller dans la montagne et il peut ne pas sortir de là-bas avec la faim. Pourquoi? Parce que le lait et le miel, Seigneur, sont dans le désert. Je prie, Seigneur, que dans le désert de quelqu'un, qu'il puisse trouver le lait et le miel, Père éternel. Fais trouver le lait et le miel dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Fais trouver le lait et le miel dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Seigneur, l'on peut voir que la personne n'est rien. L'on peut voir que la personne n'aura rien. L'on peut voir que la personne est limitée. Mais tu es le Dieu qui parle, Père éternel. Papa, accorde-nous ton lait. Accorde-nous ton lait et ton miel, Père éternel. Nous voulons nous abandonner à toi. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. La chair est faible, Père éternel. Mais l'esprit est de ton côté. Nous voulons te voir, Père éternel. Marcher puissamment dans nos vies. Papa, nous avons des parents malades. Nous avons des parents, parents en difficulté. Nous voulons sortir de la difficulté. Donne-nous la force, Père éternel. Et fais sortir nos parents de ces problèmes, de ces difficultés. Thank you.
Seigneur, merci parce que ta prière nous fait du bien. Seigneur, merci parce que ta chaleur nous rassure, Seigneur. Qu'au dedans de la fraîcheur, Seigneur, de nos difficultés, tu nous réchauffes. Merci, Seigneur, parce que le signe de la sueur démontre que la santé est en nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets de ne pas nous asphyxier par une climatisation. Père, toute chose est bonne en ton temps. Nous croyons, Seigneur, qu'un jour tu nous fortifieras dans ce passage, dans ce message, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci de rassurer quelqu'un tout au long de sa vie. Papa, ton enfant veut te voir davantage. Il y a ceux-là qui ont des difficultés difficiles, Seigneur. Il y a ceux-là qui n'ont pas de réconfort. Il y a ceux-là qui n'ont pas de solution. Il y a ceux-là qui n'ont pas d'appui, Père éternel. Il y a ceux-là qui sont, Seigneur, vraiment sans solution. Seigneur, ce matin, rassure quelqu'un. Rassure quelqu'un au travers d'une solution. Papa, tu es le Dieu qui fait des choses. Papa, je sais que tu n'es pas qu'au Gabon. Tu n'es pas qu'au Cameroun. Tu n'es pas qu'au Bénin. Tu n'es pas, Seigneur, qu'en France. Tu n'es pas qu'aux États-Unis. Mais tu es dans le cœur, Seigneur. Tu es dans le cœur. L'Américain est comme moi. Le Français est comme moi. Seigneur, le Tchadien est comme moi. Le Malien est comme moi. Le Nigérien est comme moi, Père éternel. Je crois que si tu as commencé à faire quelque chose avec eux, papa, aussi vrai que j'ai le cœur, ils ont le cœur, Père éternel. Je crois que je vais aussi réussir. Je crois que je suis né pour réussir. Je crois que je suis dans le chemin de la réussite, Seigneur. Je voudrais, Seigneur, que tu m'accompagnes. Je connais le chemin, mais je veux être prudent dans ce chemin. Je connais la voie que tu me montres, mais je te demande de me donner la prudence, Père éternel. Parce que la prudence est un fruit de l'esprit, Père éternel. Je veux te voir dans ce chemin que tu m'as demandé de te suivre. Je veux te voir dans le chemin de ton égo. Je veux te voir dans le chemin de l'évangile. Je veux te voir dans le chemin de l'élévation. Je veux te voir dans le chemin du voyage. Je veux te voir dans le chemin de la prédication. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, manifeste-toi. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, papa. Papa, je veux te voir. Papa, je pense que ce matin, le gamin qui va quitter la vie de ta femme, Père éternel. Je crois que ce matin, le silence va quitter quelqu'un ce matin. Je crois, Père éternel, par la foi. Et je sais, Père éternel, que le pari va quitter quelqu'un ce matin. Je crois que le pari va quitter quelqu'un. Je crois que la tension est en train de partir. La tension est en train de partir. L'hypertension est en train de partir. L'hypotension est en train de partir. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Le problème n'est pas que de trouver une solution. Le problème n'est pas que de trouver une solution. Je viens de 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 solution. Au nom de Jésus, Seigneur, manifeste-toi. Tu es Dieu, Père éternel. Tu parles, tu parleras encore. Tu parles, tu parleras encore. Tu parles, tu parleras encore. Seigneur, lorsque tu as béni la femme, tu n'avais pas le dire. Lorsque tu as béni la femme à la perte de sang, tu n'avais pas, Seigneur, le pantalon. Lorsque tu as béni la femme à la perte de sang, Père éternel, tu n'avais pas un t-shirt. La Bible nous parle de prendre la robe, Père éternel. Nous voulons, Seigneur, nous agripper à ta robe. Nous voulons nous agripper à ta robe, Père éternel. Nous voulons marcher sur le toit. Nous voulons vivre avec toi. Nous voulons devenir avec toi, Seigneur. Nous sommes des humains, Seigneur. Nous sommes des humains. Nous ne voulons pas confesser le mal avant toi. Nous ne voulons pas confesser les mauvaises choses. Mais Seigneur, regarde le chemin. Nous savons que le chemin est là. Mais nous voulons te voir dans ce chemin. Amen. Père éternel, ils sont ta mère. Nous voulons faire de toi. Ce matin, Seigneur. Notre feu rouge. Notre feu de signalisation. Père éternel, lorsqu'on parle de la communication n'est pas simplement le simple fait seulement d'exprimer la bouche, la voix, c'était oral, Père éternel. Il y a la communication aussi par les voies de signes. Il y a la communication, Père éternel, par la voix, Père éternel, et la technologie. Il y a la communication par les dessins. Il y a la communication, Seigneur, par la technologie, à savoir le feu rouge. Seigneur, toi, le feu rouge de notre chemin. Avant de nous demander de nous arrêter, avant de nous demander de continuer, parce que tu connais les dangers. Si nous avançons sans cette communication, nous sommes morts. Nous sommes morts. Et ce matin, nous voulons ressusciter avec toi et pour toi. Amen. Avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Tu es le Dieu qui parle. Amen. Et parle encore. Amen. Parle encore. Amen. Seigneur, soutiens tes enfants. Soutiens ta servante. Amen. Seigneur, tu vois la présidente, Seigneur. Du côté, Seigneur, du Nigeria, là où elle se trouve avec ses autres enfants aussi. Je prie, Seigneur, que la grâce Amen. Qui est autour d'elle, Seigneur, s'active et que l'onction du ministère soit avec elle. Amen. Pour la rassurer, pour la fortifier au Amen. Nom de Jésus. Amen. Soutiens les membres d'Andeb. Protège Andeb. Sois avec les membres d'Andeb. Amen. Le pasteur aussi. Amen. Le pasteur aussi. Amen. Le pasteur aussi. Amen. Seigneur, sois avec cet homme. Protège cet homme. Amen. Protège les serviteurs de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ce matin, je viens délivrer, Seigneur, ma plus belle mélodie. Ma plus belle mélodie, Seigneur,
dans la révélation, Seigneur, de 4 heures, toi et moi, on a dit quelque chose. On s'est dit quelque chose. Et on a parlé, tu m'as dit, c'est fait. Et je t'ai dit, ah Seigneur, l'affaire est risquée. C'est un peu chaud en ce moment. Tu m'as dit, c'est fait. Papa, tu as dit dans Apocalypse 6, verset 21, que c'est fait. Bien, je crois que c'est fait. Je crois que c'est fait. Amen. Je crois que la vie de mon enfant est guérie. Amen. Je crois que mon enfant ici présent est guéri. Amen. Je crois que ta servante est guérie. Amen. Je crois que ton serviteur est guéri. Amen. Je crois que quelqu'un est guéri. Amen. Je crois que ce pays est guéri. Amen. Je crois que les hommes de Dieu sont guéris. Amen. Je crois que l'évangile est guéri. Amen. Merci Seigneur. Parce que tu nous parles qui soigne les blessures. Amen. Nous ne voulons plus montrer les blessures. Amen. Afin que les mouches viennent encore pour aggraver le cas. Seigneur, nous chassons toutes mouches autour de nous. Nous chassons les mouches autour de nous. Et dans ta main, au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qu'on a déposé dans nos vies, que tu n'as pas semé, soit détruit au nom de Jésus. Amen. Je viens détruire, Seigneur, la colère. Amen. Je viens détruire la rancune. Amen. Je viens détruire l'arrogance. Amen. Je viens détruire l'orgueil. Amen. Je viens détruire le trop moi. Amen. Je viens détruire le moi. Amen. Je viens détruire, Seigneur. Amen. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu es le Dieu qui parle. Et tu parleras encore. Amen. Tu parleras encore. Amen. Tu parleras encore. Amen. Et dans ta main, Seigneur. Et dans ta main dans la vie de tes enfants. Tu es Dieu, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Tu es le Dieu qui parle. Je demande pardon, Seigneur.
Jésus, pardon. L'audience du pardon, pardon et pardon. L'audience du pardon, pardon et pardon. L'audience du pardon, pardon et pardon. Je donne pardon, pardon et pardon. Que je donne pardon, pardon et pardon. Je donne pardon, pardon et pardon. Que je donne pardon, pardon et amen. Lève-toi et commence à dire à Dieu merci. Merci parce que tu pardonnes ma famille. Merci parce que tu pardonnes ma destinée. Merci parce que tu pardonnes ma vie. Merci parce que tu pardonnes mon projet. Merci parce que tu pardonnes cette assemblée. Merci parce que tu pardonnes le Gabon. Merci parce que tu pardonnes quelqu'un ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia. Élève ta voix, parle à Dieu. Alors que je demande pardon, Seigneur Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Oh, 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 oh. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Tu ne veux pas laisser partir. Tu ne m'attends pas. Allez.
Tu veux voir Dieu. Tu veux voir Dieu. Tu vas aller au paradis. Tu veux voir David avec sa harpe. Parce qu'il continue de la jouer là-bas. La Bible dit que ce qui est lié dans les cieux est lié sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Aussi vrai qu'il l'adorait avec sa harpe, il est toujours en train d'adorer. Mais le son de la harpe là-bas, il est un petit davantage. Rassure. Au travers de la connexion avec David par la harpe, ça peut communiquer dans le ministère. Parce que la harpe de David descend dans le ministère. Il y a Asaph qui est connecté à David. Il y a Asaph, Père éternel. Et Yahweh, tu ne comprends pas. J'ai envie de parler à quelqu'un qui veut voir le ciel. Je veux parler à quelqu'un qui veut voir le paradis. Je veux parler à quelqu'un qui veut voir Jésus. On ne joue pas avec Jésus Christ. Il est resplendissant de grâce et de majesté. Jésus est saint. Il est la première personne qu'on salue lorsqu'on arrive au paradis. Il est cette personne qui est à l'entrée du paradis. Il est celui-là qui dit rentre. Il est celui-là qui regarde à vos cœurs. Il est celui-là qui voit au jour où on a dit non. Il est celui-là qui regarde à comment tu as résisté au péché. Il est celui-là qui te dit rentre parce qu'un jour je t'ai vu soulever la brique. Je t'ai vu prendre de ton argent pour investir pour mon œuvre. Jésus-Christ, il est pas avare, il est reconnaissant. Jésus, il est celui-là qui regarde les cœurs des enfants, obéissant aux parents. Lorsque nos parents disent ne fais pas, et tu écoutes, il dit oui, toi tu es digne de venir à côté de moi. Il est Jésus, amen. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez voir l'ange Raphaël, l'ange de la guérison. Mais pour le voir, tu ne le verras jamais à l'enfer. Tu veux voir l'ange Raphaël. Tu vas aller au ciel. Amen. Comment aller au ciel? Marche avec les conseils. Sois conseiller. Accepte le marteau. Accepte que tu sois l'argile. Parce que le potier doit te donner ce qu'on appelle une forme. Et cette forme-là doit plaire à celui qui va regarder l'art. Alléluia. Amen. Celui qui regarde l'art, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas adorer avec moi en disant ouais, la vanité de cette terre. Alléluia. Amen. 1, 2, 3, déchante. Loin de vanité de cette terre se cache un monde merveilleux où coule le lait et le miel. Je veux aller là-bas, là-haut, là-haut, là-haut. Un jour j'irai là-haut. Ce grand jour restera pour moi. D'être avec Jésus, mon roi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour tu vas voir Jésus. Un jour tu vas contempler Christ. Mais pour contempler Christ, ne t'assois pas sur mon âge. Oh, je suis âgé. Oh, le jeune, je suis âgé. Ah, mais mon ami est-il Jésus? 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 Parle de la destinée. Alors que j'entre dans ma destinée, Jésus, il assure ma postérité. Mon ami est Dieu, Jésus.
Alléluia. Amen. Nous allons rapidement passer au témoignage, à la prédication. Et que chacun trouve un temps pour aller visiter un membre de sa famille, quelque part, ou même le voisin. Si tu n'as pas de famille, va voir le voisin. Dis au voisin, ça va, le message du matin a dit que tu es béni.